On dirait un envoyé spécial. Ici Albert Reporter, nous nous retrouvons actuellement sur Brody Castle, donc les lieux du drame. Allez! Attends, c'est coincé! On se retrouve à Brody Castle pour tourner une nouvelle vidéo. Elle va rentrer dans la vidéo behind the scenes, c'est-à-dire dans les coulisses de... Et on va être dans les coulisses de quoi? D'une séance photo avec... Mina! Hi! Tada! L'idée étant que Mina aime la photo, moi j'aime les livres, et donc Mina va prendre des photos pour mon compte Instagram. Mm-hmm. Bonjour Mina, contente-toi. Mina est en Écosse avec moi, elle est au pair, on croirait pas, mais on a assez froid. C'est léger. Il fait 4 degrés, et donc on va essayer de faire plusieurs photos, donc on a plusieurs livres, plusieurs accessoires, et on va vous emmener dans tout ça. On va s'y mettre tout de suite parce que je paye Mina 30€ de l'heure, donc faut s'activer un peu. Non, je la paye pas. Donc bon, bah Mina et moi on se rend service. Vous allez voir que je vais me faire plutôt engueuler de A à Z. Elle est très directive, un peu dictateur. Genre rentre ton ventre, double menton, tourne-toi, reviens, nan, cache ta gueule. Cache ta gueule. Ça c'est la spécialité de Mina. Je prends un livre, je le mets, je suis genre, c'est bon? Non, cache ta gueule. Ah. Excuse-moi, j'ai passé 20 minutes à me maquiller pour rien, excuse-moi. T'as vraiment mis 20 minutes à te maquiller? Non, moins 10. Oh. Donc je n'ai jamais fait de séance photo, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne suis pas très à l'aise derrière la caméra, c'est-à-dire que pour faire des conneries, je suis présente, mais quand il faut poser, etc. Donc je pense que ça va être une bonne partie de rire, et j'espère ressortir avec pas mal de photos pour Bellfire. Bon, je savais pas trop quoi emmener pour cette séance photo, donc j'ai pris plein de livres, quelques accessoires, une petite tasse. On n'oublie surtout pas le trépied. Donc la boîte est prête, j'attends plus que Mina, et je suis prête à partir. Donc je vais expliquer à Mina le topo des livres. Elle a pas lu les livres, donc c'est sûr que pour prendre des photos sur des livres que t'as pas lu. Si, Harry Potter, si. Harry Potter, moi, elle connaît. L'idée étant que je veux exactement cette couverture dans les bois. Donc on est à côté des bois, donc je veux faire cette couverture. Et en post-prod, je rajoute un patronus. Avec la baguette et tout. Ouais, genre donc vraiment la pose et tout. On peut tenter la pose, mais on peut tenter un peu plus souple. Ouais. Parce que j'ai tenté hier devant mon miroir. Donc... C'est pas très naturel. Donc il faut te... Le principe, voilà. Les bois, la baguette et okay. On rajoute un patronus en post-prod. Okay. Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf chez les éditions Pocket Jeunesse. La nana, elle arrache des cœurs. Ouais. En fait elle a plus de cœur, c'est un sans cœur. Une sorcière lui a pris son cœur, genre pas amoureusement, elle lui a pris son cœur. Comme Once Upon a Time. Comme Once Upon a Time. Donc un peu en mode Blanche-Neige. Ouais, ou en post-prod, j'ajoute un vrai cœur dans ma main. Okay. Donc il faut qu'on fasse une photo où genre tu visualises un cœur dans ma main. Mais en mode un peu guerrière. Ok. Elle a l'air convaincue. Non, non, mais je réfléchis. Préparez-vous pour le zoom sur sa tête, elle était genre. Ok. C'est quoi ces idées encore? C'est quoi le plus dur, le Harry Potter ou le cœur? Ça va être selon toi en fait. T'es pas prostré comme tu as fait ce week-end? On a fait des essais ce week-end avec des bougies. Mina me dit, mets ta main naturellement. Comment vous voyez une main naturelle? Il fallait que tu le tiennes, genre. Genre j'étais comme ça, voilà. Donc on a tout un débat de main, de bougie à travailler aujourd'hui. Tu crois que c'est facile d'avoir une belle étendue, ça serait pas bon. Tiptoe derrière, devant. Quand on appuie sur cette jambe là, tiptoe derrière, penche-toi en avant et tu comme si tu lançais. Voilà. Et comme Mina, vous êtes sur le point de découvrir l'élément essentiel d'un compte Instagram. Ah ouais? On le voit pas, hein? Pas faux? Un peu quand même! T'as un truc? Thank you.
Et comme vous l'aurez compris, ce n'est pas facile de se prendre pour une guerrière qui arrache des cœurs sans s'en mêler les bras. Mais ne vous inquiétez pas, je vais couper le son et je vous épargne ce débat hilarant entre Mina et moi à base de « Mais comment tu fais pour t'en mêler les bras avec seulement deux bras ?» On est en train de shooter une petite série sur les 1000 éditions. Je cours, je me retourne. Exactement, genre tu fais vraiment genre comme si tu te retournais, que qu'on t'appelait ou que tu fuyais quelque chose. Je fuis ? Il faut que dans ton regard, il faut que tu fuis quelque chose. Pas que t'as envie de mourir de rire, tu vois. Donc je cours, je me retourne. Vas-y cours, retourne-toi. Voilà, comme ça, mais tu fuis quelque chose. Je fuis toi ? Dans l'autre sens. Et tu vas courir là-bas. Dans l'autre sens. Et je cours là-bas, elle a dit. Et pour courir, je vais le faire car croyez-moi, pour en avoir une de réussie, il y en a des centaines de ratées. Mais on n'est pas sur du L'Oréal. Attends, il y a les vieux qui arrivent, du coup j'ai pas envie qu'ils soient sur mes photos. Oh, okay. No, it's just picture. It just take your photos. Yeah. Isn't it lovely? Et puis on a continué à parler livres, photos et fleurs avec cet adorable couple écossais pendant une bonne dizaine de minutes. Ensuite, on avait quoi? On a le reine d'Angleterre, on a les bougies et la faucheuse. Quoi la faucheuse? C'est un mec qui il tue tout le monde. Ah, il est vert. C'est un mec, il est vert, il tue tout le non, monde. Non, le livre est oui, vert, c'est... pas le mec. Ah. Bébé, je t'ai mis dans la terre. Oh. Voilà comment vous êtes supposé être en Écosse et pas en pull. Et encore. Et encore, des gants. Bon, photo faite. On repart avec Mina dans la voiture parce qu'on a beaucoup trop froid. C'est vrai qu'on a une petite dizaine de photos. Mina dirait plutôt pas moi. Un mot à dire, Mina, sur mon beau boulot. Ça va, franchement, tu commences à rentrer dans le dans le métier. Mais les mains, j'ai un problème. Les mains, je sais pas où les mettre. Mais sinon, ça va. Non, parce qu'il faut se dire, c'est que ça a l'air facile quand on regarde les photos Insta. Tu te dis, waouh, ça a l'air trop facile. Tu vas dans les bois, tu prends ta photo. Sauf que t'as le vent, t'as le froid. T'as les mains, elles sont gelées. T'as le nez, il coule. Et j'ouvre tout le temps la bouche. C'est un problème majeur. Je parle et je bouge. Beaucoup moi aussi. Archi pas prévu ça, petit minou. Un figurant vient de faire son apparition dans la voiture. Je n'ai pas de... Il est en train de se poser là. En train de malaxer la cuisse pour se poser. Mais le chat a fait son apparition sur le parking et sans hésitation il a sauté dans la bagnole. Il doit être avec quelqu'un. Première partie de la vidéo tournée. Ça c'est super, je viens de rentrer à la maison, j'ai super froid. Donc maintenant, plus qu'à tourner la deuxième partie, c'est-à-dire ce que je vais appeler la post-production. Donc là où que je vais faire un peu les retouches, les montages. Pour commencer, je réceptionne toutes les photos et je les réunis dans un dossier. Un gros tri va s'imposer car pour une centaine de photos prises, seulement une quinzaine seront retenues. Parce que certaines photos sont floues ou alors trop sombres ou trop claires, elles ne correspondent pas au thème du livre ou alors je n'aime tout simplement pas ma posture dessus, je ne mettrai pas une photo que je n'apprécie pas à 100%. Une fois sélectionnée, je vais alors décider si cette photo nécessite que des retouches ou alors si c'est une photo montage. Cette photo est inspirée du thème Harry Potter et donc une photo montage. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de travail dessus. Je change le fond, je change les couleurs ou alors j'ajoute des éléments. Une photo montage est vraiment un travail que je fais principalement sur Photoshop, comme dans cet exemple précis où j'ai décidé d'ajouter un patronus de cerf au bout de la baguette et surtout d'assombrir ma photo. Et à partir de ce moment-là, je peux me perdre sur Photoshop pendant des heures. Mais je vais pas vous mentir, j'adore ça. À titre d'exemple, la photo Donne-moi ton cœur m'a seulement pris une demi-heure, tandis que celle-là, j'ai bien mis plus de deux heures à faire des essais et à recommencer plein de fois pour obtenir le résultat voulu. Ensuite, on va s'intéresser aux photos qui nécessitent que des retouches. Et pour cela, je prends mon téléphone et j'utilise l'application Lightroom.
Dedans, j'aime beaucoup jouer avec les réglages et notamment l'exposition, le contraste, le point noir, la saturation et la vibrance et les ombres. Ce sont les principaux réglages que j'aime et je retouche les couleurs une à une pour donner un peu plus de peps au rouge ou alors au jaune. Une fois la photo satisfaite, je l'exporte et je l'enregistre dans mon téléphone et ensuite je passe à la seconde application, Preview. Cette application est simple, ça vous permet de connecter votre compte Instagram, d'ajouter les photos que vous avez préparées et ensuite d'essayer d'organiser votre feed de manière harmonieuse. Évidemment, ce n'est que ma façon de faire car j'aime beaucoup coordonner les couleurs, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et le petit plus de cette application, c'est que vous pouvez préparer les légendes et les intégrer aux photos pour les poster par la suite.